Allez. Alors. Faut le buter lui. Merde. Alors, on a dit on continue l'histoire. Donc, c'est parti. Fais de la merde. Forcerai les nobles à se battre dans leur propre arène. Ah, je n'aime pas ça. On a du TP. On est là. Il faut qu'on aille ici. Laisse-moi rapide avancer dans le temps. On peut avancer dans le temps, sûrement pour les boss et le nombre de tours qu'il leur reste pour. Allez. Qu'est-ce que je fous là? Ah non mais je veux pas aller là moi. Est-ce qu'on peut nager? On peut pas nager dans le jeu, visiblement. Tanan 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 tanan. Bam. Ça va pas fort. Bien sûr que oui. La vraie question c'est est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire? J'espère bien. Si cette ville tombe, plus rien n'arrêtera les orques. Allez. On continue l'histoire. La pierre des visions. Mina City est assiégée. Trouvez le Palantir avant que la cité ne soit perdue. Ok. Enfin, vraiment, c'est vraiment des quêtes. Enfin, ça fait vraiment partie d'une campagne. C'est juste des quêtes en fait.
Une petite cinématique quand même. Ah voilà. Je vous laisse profiter, petite cinématique. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, hey, vous! Qui êtes-vous? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Minas Ithil. Mais nous ignorons votre nom. Talion? Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruks cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruks démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres, mais nous n'abdiquerons pas, et nous ne tomberons pas. Pas question. Ça se pète la gueule. Incroyable. Hier, je suis monté tout en haut. À l'abri ! Vraiment, tout peut être escaladé. À la porte ! Je dois défendre les portes. Ah si, on va jouer. Ça y est. Tous aux portes, et vite ! Allez ! Taïo ! Attention au piège. Je ne les laisserai pas prendre cette ville ! Alors, il faut trouver le Palantir, c'est le seul moyen. Il faut trouver le Palantir. Attention, il y a des qui vont tomber là. Allez, cours. Tue à l'ennemi. Ne le laissez pas passer. Je vais couvrir ton flanc. Voilà, ça rigole plus. J'ai un peu avancé et du coup j'ai de nouvelles aptitudes. Ce n'était que le début. Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici. Ah oui, par ici. Alors, on y va tout seul. Non, c'est bon. Je vais sprinter avec mon sprint de spectre. Pareil où ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh là-bas. Ce n'est plus très loin. Elle est bourrée ou quoi ? Allô ? Longtemps. Okay, c'est le bordel. Je m'occupe des bêtes de siège. Baranor et moi, nous restons ici. Restons ici. Je suis allé démonter les machins. Nous devons nous emparer d'une des bêtes de siège. Ok, c'est parti. Ça devrait être intéressant. Franck, bonjour. C'est cette saleté de Tark. N'a rien vu. Ces explosifs devraient nous permettre de dompter la bête. Bonjour. Tiens, dans ta gueule. Ah putain, mais il fait mal. Je suis déjà mort. QTE. Non, c'est bon. Bon, je crois qu'on peut pas le niquer comme ça. Infliger des dégâts pour la briser. Ah mais là, elle est trop solide. Viens. Ah, y a Flo. C'est le bordel. Il a dit, il y a les explosifs. Où les explosifs? Sont les explosifs? Si je te mets une flèche dans ta gueule, ça lui fait rien en fait. Voilà. Sur la caisse au-dessus. Sur son dos à lui? Il est où? Ah oui, là. Tiens,
putain. Je te domine. Voyons ce que je peux en faire. Les voilà. Boum. Super mal en fait. Bon, elle est morte. Mourez. C'est terminé. Nous ne pouvons pas laisser cette bête de siège à l'ennemi. Dommage, c'est bon, il fuit. Nous ne puissions pas l'emmener. C'est une arme de poids. Je fais quoi, je la bute? Ok, c'est n'importe quoi. Ça devrait servir. Aptitude déverrouillée, impulsion de l'ombre. Appuyez sur A en sautant pour faire un double saut, ce qui vous permet de couvrir une plus longue distance et de changer de direction en cours de saut. Cette action peut être utilisée pour avoir fait un saut au bord. Ça c'est bien. Ah oui, ah, carrément. Oh mais c'est cheaté. C'est cheaté hein. Et je sprint. Si Mina City tombe, alors ils ne tarderont pas à mettre la main sur le Palantir. Je pensais au Gondor. Le Gondor. Merci pour la bonne chance. Ça va le faire, le jeu est facile. Oh putain, c'est cheaté le double saut. Déjà qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Et je monte sur le banc. Je sais quoi faire ici. Bonjour. 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 Encore des ennemis. Ces hordes n'en finissent pas. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Où est le marqueur ? Nous ne pourrons pas les vaincre de façon conventionnelle. Il nous faut le Palantir. T'es mort. Boum. Entre ça dans ta gueule. Là ouais putain, y'a du monde. Tuez votre bête de siège. Nous les avons repoussés. Une en moins. Pour l'instant. Aïe. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. Très bien. Thématique. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils vont nous violer. Et piquer ils nos cartables. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être. Et partons.
vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi, servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Mais si moi je suis déjà mort. J'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père et lui parler. Je dois lui demander la permission. Elle vous fera tenir parole, Rodeur. Parce que j'ai 14 ans. Ok. Mission terminée. Un point d'aptitude. Et on a du pognon. Tu lui accordes toute ta confiance. Et je suis passé niveau 8. Donc, on débloque. Sans secrète, on a dit non. Domination Sneed, on a dit non. Plus de flèches, on a dit non. Le coup critique. Ça, c'est intéressant. Bruit spectral. Appuyez sur 1 mode furtif pour instant même parcourir de longue distance. Ça, c'est pas mal. Protégation vous donne un bonus puissant. Non. On voit des trucs qui pètent. Hein. En mourant, les soldats vivant dans des funérailles empoisonnées ont une chance d'exploser. Ça, c'est marrant. Ah, ils ont une chance d'exploser quand je leur tire dessus, quoi. Maintenez, voilà, utiliser attraction. On va essayer de jouer un spectre à votre cible. Ça, c'est pas mal. Ici. Détonation. Ça, on a dit, on prend. On va prendre. Oh, tu vas prendre. Lame affûtée. On sort de dague, on change d'affiché critique, c'est pas mal. Déclencher un puissant souffle, un puissant soleil, c'est un puissant c'est plein, machin. Ça, c'est, on a dit, c'est pas mal aussi. Ça, pour l'instant, je suis pas chaud. On en a peut-être pas besoin maintenant. Faire de la ferrochard et qu'on draine un ennemi, ça c'est pas mal. Franchement, ça peut être très intéressant, même si les flèches on en trouve partout quoi. On va prendre ça. Pour les boss qui sont vraiment vulnérables au feu, ça peut être intéressant. Donc on va prendre ça. Allez. Laissons-lui du temps. D'ici là, retournons voir Arachné. Il me faut d'autres réponses. Ah, on a débloqué la carte, c'est bon. Nouvelle région déverrouillée. Parfait. Ok, on va faire la quête d'Arachné. Il faut aller voir Arachné. Ses visions nous aideront. Il nous faut l'anneau. Il nous faut l'anneau. Donc on va aller voir Arachné. La grosse bébête. Elle qui nous a piqué l'anneau. Donc pour ça, on va choper une monture. Je sais où il est, où le marqueur. Non, c'est pas, on sait même pas où est le marqueur alors. Je vais utiliser la Syrie Tongol. On le voit pas sur. On le voit pas comme ça en temps réel. Mais là, je peux escalader tout ça là. Je vais me faire chier à escalader tout ça. Normalement, là, je peux quitter la ville. On peut pas escalader là. Mais c'est tout pété. D'où on peut pas escalader. Ah, c'est tout cheaté.
Bonjour. Bonjour. Attends. Faut bien que j'aille ici. Genre, je peux juste me TP. Bon, j'espère qu'on va avoir le déplacement libre sur la map après parce que... Appuyez sur touche du bas pour activer les orcs que vous avez dominés. Ah oui. Incroyable. En cas d'empoisonnement, les blessures de compte sont masquées, mais vous pouvez toujours contrer avec Y. Pour glisser, appuyez dans la même corde, ça vous permet de renverser les ennemis et de même glisser sous certains obstacles. Temps de chargement de l'infini. Cinématique. Un couteau dans la nuit. Les armées de Ciri Thongol se rassemblent avant l'assaut final sur Mina Sithil. Arachné détient des informations pouvant vous permettre de repérer et d'éliminer les chefs de l'armée Orc. Retournez la voir et détruisez l'armée de Sauron de l'intérieur. Neutralisez les avant-postes pour réduire la force de l'ennemi dans la région. Pour neutraliser un avant-poste, éliminez le capitaine qui le dirige. D'accord, donc les zones rouges, c'est bien des avant-postes. Tu m'as pas vu. Go. D'accord. Il a volé. Libérer la tour. Où est Tiro Amornion? Thank you.
Et il nous en manque un. C'est bon, on a tout. Bonjour. Merde, y'a des wargs. Oh, y'a des wargs. Putain, mais je l'ai OS le warg quoi. Non, je l'ai pas OS. Oh. Viens là, enculé. Viens là, viens. Tu m'as vu? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, il m'a vu. Bim. Je vais perdre ma monture. Hey!
Pas des fois, hein. Oh merde! Quel con! Ah oui, d'accord. Ok. J'ai tué mon Karagor. Quel abruti. Ok, ils m'ont vu. C'est la merde. Ok. Hop là. Merde, je ne vais pas le tuer.
Tu sais un boss. Non. Tant mieux. Je suis juste sous ton nez depuis le début. J'ai plus ma monture. Boum. Débarrassez-moi de lui. On en a fini. Bougez. Non, non, on a pas fini. Viens là. On a pas fini, mon gars. Meurs. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Une nouvelle épée. Nous on a niveau 11, légendaire. Ça te fait du bien de se venger, pas vrai? Les coups critiques ont 29% de chance d'enflammer la cible. Et là, faut tuer un ennemi empoisonné. Dégâts 38% contre les ennemis empoisonnés. Les coups critiques ont 28% de chance. On perd beaucoup trop en mêlée. Hein. Ah, quoique, on perd que un. C'est tentant. Ça nous rajoutera un bonus. Allez, on va la prendre. Qu'est-ce que c'est? Les ghouls. Pris isolément, les ghouls sont faibles, mais ils sont redoutables en horde. Certains ghouls aspergent leur ennemi de poison. Si les ghouls parviennent à regagner leur nid, ils reviendront accompagnés d'une terrible matriarche ghoul. Les matriarches ghouls sont plus fortes et plus résistantes que les ghouls ordinaires et affaiblissent leurs ennemis grâce à leur poison. Très bien, c'est la merde. Là, bah, ils sont déjà allés chercher leur matriarche là. Je peux pas les... Merde, c'est tiré. Faut de la vie. Un couteau dans la nuit, le palantir est désormais hors de portée, mais les visions d'Arachné pourront peut-être vous guider. Donc là on rush un peu hein, l'histoire principale, sinon on n'a pas fini. Hein. Ok. Gollum. Oh mon précieux. Oh non, Gollum. Nouveaux ennemis, les Zologai, trolls guerriers. Les Zologai sont des combattants coriaces aux attaques puissantes. Ils vous empêcheront de leur bondir par-dessus, mais vous pouvez éviter leurs attaques en appuyant sur A pour esquiver ou leur glisser entre les jambes.
Ils peuvent être étourdis avec un tir chargé à la tête ou grâce à une contre-attaque effectuée au bon moment. Enchaîné avec une série de frappes mêlées ou maintenez RB pour monter sur le dos de l'ologue, sur son dos. Appuyez sur X à plusieurs reprises pour poignarder dans le dos, effectuer. Ok. Ah, ça lui fait rien. Ah si, ça le taunt. Ah ouais, donc ça c'est mort déjà. Oublie. Mais non, mais je veux pas lui sauter dessus. Ok. Ouah, ok. Mais attends, mais c'est pas ça que je veux faire là. Il est mort? Sérieux? C'est tout? C'est de la merde. Attends, on lui a mis aucun coup d'épée, je crois. Si, un coup d'épée. Ah, Gollum. Est-ce qu'il a sa vraie voix? Ah oui. Il est dégueulasse. Gollum, pourquoi m'avoir sauvé, dis-moi? C'est pas à toi que je parle, stupide rôdeur. Il œuvre pour cette maudite araignée. Non, non. La terrible maîtresse des ténèbres veille sur Gollum. Gollum veille sur le maître de lumière. Ah oui. Le maître de lumière, tout le seigneur des ténèbres. Et c'est l'araignée qui tire les ficelles. Sauron est son ennemi comme le nôtre. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. En route. Oh. Et comme t'as montré à Frodon le chemin. Ce sont des Ologai, des trolls de guerre. Ils sont plus futés, plus rapides et insensibles à la lumière. Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais. On les hait autant qu'on hait les méchants orques. On garde nos distances pour éviter d'être réduits en petits morceaux. Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre. Non, c'est faux. On n'aurait jamais blessé le maître de lumière. On va se rachouter, d'accord? Ça reste à voir. Jouons aux énigmes. Tu n'as rien vu. Ce n'est pas le Gollum que tu recherches. Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Volé? Il m'a supplié de le prendre. Et toi, que veux-tu, Talion? Je suis là pour Minas Ithil. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Tes visions disent vrai. Offre-moi une autre. Dans quel but? Pour savoir? Pour dominer? Oh, inutile de me répondre. Vois ta vérité. Tu veux monter en grade, il suffit de tuer. Tu veux te faire remarquer, tue un beau rose. Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut. Idril. Elle meurt. Beaucoup mourront avant la défaite de Sauron. Alors il faut agir en conséquence. Si nous tuons l'assassin, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle peut survivre. Elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changée. C'est Castamir qu'il nous faut protéger. S'il est victime de cet assassin, nous perdrons le Palantir.
précieux pour notre maître. On va serrer ton gol. Oui, on le trouvera, le méchant assassin. Oui. Il faut arrêter l'assassin. Gollum, tu sais où le trouver ? Oui, on a reconnu sa lame courbée. Une lame de Morgul. Oui, il tue, poignarde tous les gardes du corps du chef de guerre. Si nous trouvons les gardes du corps Uruk qu'il vise, nous trouverons l'assassin. Le premier est proche, par ici. Ici. Tu vas mourir, lâchez-moi. Attention, ami de mouche de Morgaï. Mais qu'est-ce que fabriquent ces orques? Tu as peur, comme le capitaine. Le premier garde du corps doit être par là. Tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin. Tu vois donc les visions d'Arachné ? Oui, maître de lumière. D'abord la lame, ensuite. L'un des gardes du corps était proche. On en est sûr. Cesse de bouger. Seule une lame de Morgul a pu causer ces blessures. Nous sommes sur la bonne voie. Il est mort depuis un certain temps. Nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin. Oui, on sait où trouver un autre garde du corps. À mesure qu'il grimpe les échelons, l'assassin cherchera des cibles plus importantes, comme Castamir. Oui, Castamir est le seul à savoir où se trouve le Palantir. Il faut à tout prix qu'il reste en vie. Écrabouillez-les ! Passe par en dessous ! Ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé ma souffre ! On sait qu'il y a un méchant orc ici. Mais on oublie où. On est proche. Tu peux le trouver. Je rêve que tous ces soldats s'imaginent qu'ils sont meilleurs que nous tous. Tu rêves pas. Ces abrutis s'imaginent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. À cause de leur taille. C'est pas la taille. Mais... qu'est-ce qui se passe ? Cette piste ne mène nulle part. L'hiver est la saison que je préfère. Si on met de côté la neige, tout ce blanc et froid. Je merde. Suis...
a dû revenir sur ses pas. Oh, on l'a déjà chopé quelques fois et on s'est amusé. Une seconde. J'ai vu quelque chose. Quelqu'un tue pour ça. C'est rapide si tu bosses bien. Je devrais peut-être essayer. Comme si t'étais plus doué que moi. Des plaies causées par une lame de Morgul, comme le précédent. Cette attaque est plus récente que l'autre. Nous nous rapprochons. Gollum devrait savoir où est la prochaine cible. Outre les artefacts provenant de la grande salle de Minas Tirith éparpillés dans tout le Mordor, trouvez-les tous pour déverrouiller l'amélioration d'aptitude prospecteur. Je pense que ce plat est de facture orientale. De tous ceux qui l'ont vu, personne n'a pu reconnaître la céramique ou le style de décoration utilisé. Je sais que les Orientaux venus d'au-delà de la mer de Rune n'ont jamais été des alliés du Gondor. Et leurs chars et chariots de guerre sont certes effrayants, mais j'aimerais bien en rencontrer un hors temps de guerre. Quelle que soit leur férocité, ils n'en sont pas moins des hommes, et non des Uruks ou autres sbires du Seigneur des Ténèbres. Bon, on va se laisser là, on reprendra tout à l'heure, comme hier. Plus étrange encore que les Aradrim du Sud. Ah, par contre, je ne sais jamais quand ça sauvegarde. Mais tout aussi vulnérable aux suppliques de Sauron. Soyez sur vos gardes. J'ai trouvé un autre Uruk. Son cadavre est encore chaud. Nous sommes tout prêts. De plus en plus près. Ah, on va t'emmener. Allez, on arrête là. Paf. Paf. Ah, c'est parce qu'à chaque fois je dois pas cocher autoriser, c'est pour ça que ça marche pas. Enfin, c'est pour ça qu'à chaque fois il me le demande. Hop.